Bernard Tapie, qui lutte depuis 3 ans contre le cancer, a donné des nouvelles détaillées de sa santé et elles ne sont pas bonnes. C'est une longue maladie pour moi puisque ça fait 3 ans et je suis au plus mauvais point que j'ai connu depuis 3 ans. Et c'est d'autant plus dommage que de janvier jusqu'à juin, j'avais connu, grâce à un traitement expérimental, c'est expérimental, hein, c'est gratuit, c'est fourni par le labo, mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis je me suis senti pas bien du tout au début de l'été. On a fait un scanner de témoins, et là, 20% pour des nouvelles tumeurs, et mes anciennes avaient doublé. Donc on est obligé d'arrêter, on en prend un autre. Et là, j'ai le professeur Spano, qui est un type génial, qui est à la Pitié-Salpêtrière, qui a cherché un peu où est-ce qu'on peut trouver un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. Et on en a tenté un nouveau sur l'immunothérapie, conseillé aussi par Gustave Roussy, où j'ai un grand patron qui est un Marseillais, qui s'appelle Barlesi, Fabrice. Donc ils s'entendent bien. Et on a tenté un truc, et j'ai fait le scanner hier, et elles ont encore doublé de volume. Que vous disent les médecins après ce scanner? Bon, ils me disent que je suis dans une phase un peu compliquée, mais qu'on n'a pas de raison de désespérer.